Bonjour et bienvenue dans ce troisième chapitre d'économie sur les politiques économiques au programme de terminale technologique dans l'enseignement spécifique droit et économie. Au sommaire de cette vidéo, on va diviser tout ça en quatre séances. Pour commencer, quelles sont les politiques économiques menées par l'État? Donc, on va parler justement très brièvement de ces différentes politiques économiques, mais surtout à quoi elles servent. Puis dans une deuxième séance, on étudiera les politiques conjoncturelles, puis dans une troisième, les politiques structurelles, puis dans une dernière séance, nous parlerons des politiques économiques qui sont menées en Europe. Commençons par la première séance, quelles sont les politiques économiques menées par l'État? Alors, pourquoi l'État doit-il mettre en place ses politiques économiques? Il y a trois raisons. La première, c'est de stimuler l'économie. La deuxième, de lutter contre les grands déséquilibres. Et enfin, de réguler l'activité économique. Alors, pour stimuler l'économie, il y a deux manières, deux approches sont possibles. La première approche, c'est l'approche de la politique de la demande. Une politique de la demande, elle cherche à stimuler la consommation en soutenant le pouvoir d'achat des ménages. Pourquoi j'ai mis ce petit dessin, pardon, de l'Assemblée nationale? C'est très simple, c'est tout simplement le fait que, au niveau politique, il y a plus tendance à avoir une politique de la demande du côté gauche de l'Assemblée nationale. Donc vous comprenez bien que du côté droit, on retrouve la politique de l'offre. Une politique d'offre, qu'est-ce que c'est? Ça cherche à stimuler l'offre des entreprises, donc par la réduction des prélèvements obligatoires, par l'aide à l'innovation, par la formation, etc. Dans les deux cas, il se passe la même chose, il y a une stimulation de l'économie et de l'activité économique. Seulement, du côté de la politique de la demande, on aide les ménages pour qu'ils puissent consommer plus. Du côté de la politique d'offre, on aide les entreprises pour qu'elles puissent produire mieux et moins cher et donc permettre aux ménages d'acheter plus. Tout est une question de point de vue ici. Ensuite, la deuxième partie, la lutte contre les grands déséquilibres. La politique économique a pour objectif de lutter contre les grands déséquilibres en recherchant quatre éléments: le plein emploi, une croissance soutenue, la stabilité des prix et l'équilibre extérieur. Ces quatre éléments sont schématisés par ce qu'on appelle le carré magique de Nicolas Cador. Plus le carré que vous formez en utilisant les quatre éléments, par exemple les quatre éléments actuels en France, par exemple se dire qu'actuellement on a un taux de croissance qui est sur l'année de moins 4%, un taux de chômage qui est de 9%, un taux d'inflation qui est à zéro, etc. On forme un carré sur ce schéma et plus le carré est grand, plus cela signifie que l'équilibre économique de l'État, pardon, est atteint. Donc plus le carré est grand, plus la situation est meilleure. Plus le carré est petit, moins la situation est bonne. Troisième point, réguler l'activité économique. L'activité économique, elle est divisée en cycles. Donc cette activité connaît des fluctuations. La première partie du cycle, c'est la croissance, l'expansion. Donc c'est le moment où le taux de croissance augmente, l'inflation augmente avec. Seulement, au bout d'un moment, à force d'augmenter, on atteint la crise. La crise, c'est le retournement brutal de la conjoncture qui se passe justement juste après l'expansion et avant la récession. La récession, c'est le moment où l'activité économique commence à baisser. La croissance, elle commence à ralentir, elle va petit à petit devenir négative et le chômage va augmenter. Au bout d'un moment, quand la croissance devient négative, on n'est plus en récession, mais on est en dépression. Et cette dépression dure la plupart du temps une assez longue période et l'inflation a tendance à devenir une déflation, c'est-à-dire une baisse générale des prix. Seulement au bout d'un moment, la dépression, elle ne dure pas éternellement. On arrive petit à petit à une reprise, c'est-à-dire le moment où le taux de croissance redevient positif et que l'activité économique repart. Sur le schéma que vous avez actuellement à l'image, vous voyez qu'il y a deux types de cycles. Il y a des cycles longs et des cycles courts. En fait, les cycles suivent toujours une certaine tendance. Vous voyez la droite qui est au milieu du schéma. Il y a des cycles longs qui chacun dure à peu près une cinquantaine d'années en moyenne. Et au milieu de ces cycles longs, il y a des cycles courts qui suivent exactement le même principe avec l'expansion, la crise, la récession, la reprise, etc. Ce sont des cycles qui durent depuis toujours. Deuxième partie maintenant, deuxième séance, les politiques conjoncturelles.
Donc on va commencer par une petite partie de définition. Qu'est-ce que c'est qu'une politique conjoncturelle? C'est déjà une politique économique qui a un horizon de court terme. Son but, c'est de maintenir ou rétablir les grands équilibres. Ces grands équilibres, on les a vus juste avant, dans le carré magique de Cadore. Eh bien, le but de cette politique conjoncturelle, enfin des politiques conjoncturelles en règle générale, c'est d'agrandir la taille de ce carré magique, tout simplement. Alors, il existe deux grands types de politique conjoncturelle, on peut dire, la politique de relance et la politique de rigueur. Alors, de nos jours, on préfère l'appeler politique de stabilisation parce que le mot rigueur fait un peu peur, mais ça ne change pas que c'est une politique de rigueur. Une politique de relance, son principe, c'est stimuler la demande afin que les entreprises produisent davantage et embauchent. Ça passe par la stimulation de la consommation des ménages, donc on baisse les prélèvements obligatoires, et de l'autre côté, on aide les entreprises avec des aides à l'investissement et en augmentant les dépenses publiques. Donc, dans cette situation, on fait en sorte de pousser l'activité économique à redevenir importante. D'un autre côté, dans la politique de stabilisation, ici, on cherche simplement à rétablir les grands équilibres comme le budget de l'État ou la balance commerciale. Là, c'est l'inverse. On diminue les dépenses publiques et on essaie, si possible, d'augmenter les prélèvements obligatoires. On se serre la ceinture, voilà, pour pouvoir stopper, par exemple, un gros déficit public, essayer de réduire notre dette publique au fil des années. Tout ça, on utilise une politique de rigueur pour pouvoir le mettre en place. Il y a aussi une distinction entre une politique pro-cyclique et une politique contracyclique. Alors une politique pro-cyclique, c'est simplement une politique qui va dans le sens de l'économie pour essayer d'accentuer, on va dire, son sens. Par exemple, quand vous avez l'économie qui va bien, quand vous avez la croissance qui augmente, une politique pro-cyclique va faire en sorte d'augmenter encore plus cette croissance. Par contre, une politique contracyclique, c'est une politique, toujours conjoncturelle bien sûr, qui cherche à infléchir le rythme de croissance dans le sens opposé à celui actuel. On a plus tendance à faire des politiques contracycliques de nos jours. Donc, quand on a par exemple un taux de croissance qui augmente, peut-être qu'un État peut se dire qu'il augmente de trop, que l'économie va trop vite, on fait une politique contracyclique pour essayer de réduire ou en tout cas de ralentir ce taux de croissance. À l'inverse, quand on a un taux de croissance qui est trop faible, une politique contracyclique va essayer d'améliorer la croissance économique et donc de faire augmenter ce taux pour améliorer la situation économique. Alors, dans les politiques conjoncturelles, il y en a deux types. Il y a tout d'abord la politique budgétaire et la politique monétaire. Alors, la politique budgétaire, en fait, j'en ai déjà parlé juste avant. C'est une politique qui consiste à utiliser le budget de l'État pour agir sur l'activité économique. On peut alors se servir des recettes et des dépenses, sachant que le gouvernement, lui, n'est pas obligé d'égaliser ses recettes et ses dépenses. On retrouve ici le principe de politique de rigueur, pardon, politique de relance, excusez-moi, et politique de rigueur. Dans la politique de relance, on augmente les dépenses et on diminue les recettes. Dans la politique de rigueur, on diminue les dépenses et on augmente les recettes. Donc ça donne l'effet inverse. Sur le budget de l'État, une politique de relance va créer un gros déficit. Sur le budget de l'État, une politique de rigueur va donner plutôt un excédent sur le budget pour éviter de créer des déficits et pour essayer plutôt de les résorber au fil des années. Et aussi de rembourser les dettes publiques. Alors voilà quelques images qui sont tirées du ministère du Budget. Ce sont des éléments en rapport avec le budget de 2020. On voit justement qu'il était prévu que le budget de 2020 contienne 313 milliards d'euros de recettes, dont, et vous voyez en bas les différents éléments en légende, 126 milliards de TVA, 75 milliards d'impôts sur le revenu, 48 milliards d'impôts sur les sociétés, 43 milliards de contributions fiscales diverses, 14 milliards de recettes non fiscales et 6 milliards de recettes de fonds de concours. Bon. Ne cherchez pas à savoir ce que ça veut dire. Au niveau des dépenses publiques, l'État crée son budget donc d'une certaine manière et le budget en fait divisé en 32 missions. L'État a différentes missions, il y en a 32, et les 5 plus importantes sont celles qui reçoivent donc le plus de crédits, donc qui vont pouvoir faire le plus de dépenses. Et en France, nos 5 missions les plus importantes, c'est l'éducation et la recherche, la défense et la sécurité, les politiques sociales, le développement durable et enfin la justice. Ça, ce sont les missions les plus importantes actuellement pour le budget 2020.
Seulement, si on prend les dépenses de l'État par nature, c'est-à-dire simplement comme type de dépenses, on voit que les plus importantes, ce sont les dépenses de personnel, avec 147,9 milliards, on peut venir 148 milliards, ce qui correspond quasiment à 40% des dépenses de l'État. Donc 40% des dépenses de l'État, c'est les salaires des fonctionnaires. Vous avez 105 millions, donc 28% qui représentent des dépenses d'intervention, c'est-à-dire les dépenses qui servent à aider les agents économiques, donc les aides qui sont apportées aux différents agents. 53 milliards de dépenses de fonctionnement, ça correspond aux charges, on va dire, habituelles pour un État. 38 milliards, pardon, c'est les charges de la dette de l'État, c'est-à-dire l'État a une dette publique qui est très importante, il faut la rembourser, mais il faut aussi rembourser les intérêts de cette dette. Eh bien, on voit dans ce budget que pour 2020, les intérêts de cette dette vont se monter à 38 milliards d'euros. Vous imaginez donc la taille de la dette. Passons maintenant à la politique monétaire. La politique monétaire, elle est menée par une banque centrale qui est indépendante du pouvoir politique. Chez nous, dans la zone euro, c'est la Banque centrale européenne, qu'on appelle BCE, qui mène la politique monétaire de toute la zone. Son objectif principal, c'est de maintenir la stabilité des prix dans toute la zone euro, en faisant en sorte que le taux d'inflation ne dépasse pas les 2%. Comment fonctionne la BCE? Elle apporte son soutien aux politiques économiques afin de créer une croissance économique équilibrée, une économie sociale de marché hautement compétitive, pardon, et le plein emploi. Donc comment ça fonctionne? On utilise l'instrument du taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, c'est-à-dire la Banque centrale européenne va prêter de l'argent aux banques commerciales des pays de la zone euro, les banques que vous connaissez. Et elle le prête par exemple à un taux annuel de 0,1%. Ensuite, les banques commerciales que vous connaissez ont reçu de l'argent, elles vont pouvoir le prêter aux agents économiques des différents pays à un taux supérieur, par exemple cette fois-ci un taux de 1,5%. Pourquoi un taux de 1,5 alors que la banque commerciale l'a reçu au taux de 0,1? Eh bien, tout simplement parce que elle doit faire un bénéfice sur son action. Donc c'est logique qu'elle utilise un taux qui soit supérieur au taux qu'elle l'a reçu. Comme toute entreprise, quand elle vend des marchandises, elle va les vendre plus cher qu'elle les a achetées. Eh bien, pour les banques, c'est le même principe. Au niveau du fonctionnement du taux d'intérêt, justement, si la banque centrale décide de baisser son taux d'intérêt directeur, qu'est-ce qui va se passer? Si son taux d'intérêt directeur baisse, ça fait qu'elle va prêter moins cher aux banques commerciales. Les banques commerciales vont donc pouvoir baisser leur taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt des banques sont plus faibles, les agents économiques vont avoir plus tendance à demander des crédits. Vu qu'il y a les crédits qui augmentent, il y a une création monétaire, il y a plus d'argent qui est créé dans le circuit économique. Et s'il y a plus d'argent qui est créé, l'inflation augmente. Quand la Banque Centrale Européenne décide d'augmenter son taux d'intérêt directeur, eh bien c'est l'inverse. Vu que son taux d'intérêt directeur augmente, les taux d'intérêt bancaire vont augmenter. Vu que les taux sont plus chers, les emprunts sont plus chers, il y aura moins de crédits. Vu qu'il y a moins de crédits, il y a moins de création monétaire. Et vu qu'il y a moins de création monétaire, l'inflation diminue. Voilà le fonctionnement de la politique monétaire au niveau européen. On passe maintenant aux politiques structurelles. Alors, que sont les politiques structurelles? C'est une politique de long terme qui vise à améliorer le potentiel de croissance d'une économie. Les politiques structurelles sont de plusieurs ordres. Vous avez quelques exemples ici, une politique industrielle, d'aménagement du territoire, de recherche et d'innovation, sociale, etc. Ce type de politique agit sur les structures de l'économie. C'est pour ça qu'on appelle ça des politiques structurelles. Donc, on a des exemples comme la réglementation ou la déréglementation, l'aide offerte à certains secteurs stratégiques, l'aide qu'on donne aux PME, la correction de déséquilibres entre régions, le développement d'infrastructures de transport et de communication, le financement de la recherche et développement, l'innovation, la réduction des inégalités de répartition des revenus, etc., etc. Les exemples sont très très importants. Qu'est-ce qu'on retrouve un petit peu comme politique structurelle? Trois vraiment sont au programme et qu'il faut un petit peu comprendre comment elles fonctionnent. On a la politique de la concurrence,
Le principe, c'est la lutte contre les ententes, les abus de position dominante pour permettre une concurrence saine au profit du consommateur. Normalement, la politique de la concurrence, vous l'avez étudiée dans le chapitre précédent sur les défaillances du marché et de l'État. Cette politique de la concurrence, elle est gérée en France par l'autorité de la concurrence et dans l'Union européenne par la Commission européenne. On a ensuite la politique de recherche et d'innovation qui cherche à améliorer durablement les performances macroéconomiques du pays. Et enfin, la politique industrielle qui permet d'assurer le développement et la compétitivité des entreprises. Voilà un petit peu les exemples de politiques structurelles qui existent. Au niveau international, on peut donner quelques exemples justement. En Espagne, on a eu une réforme du marché du travail il y a quelques années. Aux États-Unis, il y a eu la célèbre Obamacare, qui était une politique structurelle. En Allemagne, il y a eu une baisse des cotisations sociales et leur remplacement par des taxes sur la consommation. En France, donc quelque chose qu'on connaît un peu mieux, la création de la rupture du contrat de travail à l'amiable, la création d'une nouvelle autorité de la concurrence, dont on a parlé il y a quelques secondes, et la libéralisation de professions réglementées. Toutes ces décisions de ces quatre pays, ce sont des décisions que recouvrent les politiques structurelles. Vu que justement on vient de prendre quelques exemples de politiques structurelles à l'international, on va pouvoir parler des politiques économiques qui sont menées en Europe. On va d'abord parler de la politique monétaire, puis budgétaire, puis structurelle. Au niveau de la politique monétaire, comme on a dit avant, la BCE elle est responsable de cette politique dans la zone euro depuis le 1er janvier 1999. Son objectif principal, c'est maintenir l'inflation en dessous de 2% par an. Ce qu'il s'est passé, il s'est passé à partir de 2015 la création du quantitative easing, qui est un programme d'achat d'actifs. Quel était son but? C'était d'acheter massivement les dettes des États de la zone euro, puis les dettes des entreprises. Faire en sorte de racheter la totalité des dettes des États et des agents économiques, alors bien sûr pas la totalité, non, mais en tout cas le plus possible, afin de relancer la croissance et d'éviter la déflation. La BCE, son problème, c'est qu'elle est soumise à des besoins hétérogènes des pays membres de la zone euro. Nous sommes ici dans l'Union européenne, et qu'est-ce qui se passe? Vous avez par exemple un pays qui ne peut plus supporter de l'inflation supplémentaire, un autre pays qui lui pourrait, un autre pays qui estime que son inflation est trop forte, un autre pays qui dit « attention, je suis au bord de la déflation, il faut absolument que mon inflation augmente ». Le problème, c'est que la Banque Centrale Européenne, c'est une institution unique. Il n'y a qu'une seule politique monétaire pour tous ces États, donc la BCE doit être capable de contenter tout le monde. Et parfois, c'est très compliqué. Donc, ce que fait la Banque Centrale Européenne, elle essaie de trouver un compromis en utilisant le taux d'inflation global de toute la zone euro. Et selon ce taux d'inflation global, elle prend des décisions en conséquence. Au niveau des politiques budgétaires, par contre, la politique budgétaire est toujours aux mains des différents États membres. Donc, les pays de la zone euro peuvent mener chacun leur politique budgétaire, mais ils ont quand même des règles. Il y a ce qui s'appelle le pacte de stabilité et de croissance. Il impose aux États de la zone euro d'avoir des budgets proches de l'équilibre, voire excédentaires. Ce pacte de stabilité et de croissance contient en tout trois éléments, donc l'équilibre budgétaire, un déficit public qui soit inférieure à 3% du PIB, une dette publique qui soit inférieure à 60% du PIB. Alors il faut savoir que notre dette publique actuellement, elle est autour de 100% du PIB. Comprenez que là, le pacte de stabilité et de croissance, on ne le respecte pas vraiment à ce niveau-là. Il faut donc qu'il y ait une coordination entre la politique monétaire unique de la BCE et les différentes politiques budgétaires des États. Pourquoi ce pacte de stabilité et de croissance a été mis en place? Justement pour aider à cette coordination. Sans ce pacte, un État pourrait creuser son déficit en espérant faire partager son coût à tous les autres pays de la zone euro. Il faut savoir que quand on partage une monnaie, il faut forcément partager les conséquences qui sont derrière. Et enfin, la politique structurelle européenne, qui est une politique régionale, elle vise à réduire les écarts de développement entre les régions par un transfert de ressources entre les plus, enfin, des plus riches vers les plus pauvres, grâce au soutien à la croissance et à l'emploi. Que fait aussi cette politique régionale? Elle œuvre pour la lutte contre le changement climatique, la dépendance énergétique, l'exclusion sociale. Elle s'inscrit dans le long terme et cherche à rendre ses structures plus propices à la croissance grâce à l'innovation, la lutte contre le changement climatique, l'éducation et la lutte contre la pauvreté.
Voilà un petit peu un résumé de tout ce chapitre 3 sur les politiques économiques. Vous vous doutez que les autres vidéos ne vont pas tarder, il faut que je prenne mon temps pour les réaliser. En tout cas, voilà ce chapitre 3 sur les politiques économiques. N'hésitez pas à la regarder autant que vous voulez pour faire vos révisions. Le bac, je vous rappelle, il ne va pas tarder. Donc, prenez soin de vous, travaillez bien et à la prochaine.